L'une de nos missions est d'aider les enfants malades et c'est vrai qu'on a déjà plusieurs fois profité en fait du sponsoring de Franck Camas et de ce qu'il représente avec son bateau pour pouvoir réaliser le rêve d'enfants malades qui sont fans de voile, fans de Franck Camas aussi et de tout ce qu'il peut représenter. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, on a le plaisir d'accompagner Arthur, qui est absolument ravi de pouvoir rencontrer enfin skipper Franck, qu'il a suivi depuis le départ en novembre. Le navigateur, il dort sur cette couchette-là, qui est rabattue. Ça fait trop peur quand le dernier jour de nuit. Ah ouais, on avait un peu peur. Ouais. T'aimerais bien avoir un bateau comme ça? Ouais. Qu'est-ce que tu feras quand tu seras plus grand? Skipper. Tu feras skipper? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer skipper? Il t'a expliqué. Tu peux dire ce que... Il faut faire l'optimiste. Commencer avec l'optimiste. T'aurais pas eu peur de prendre la barre d'un grand bateau comme ça? Non, t'aurais pas eu peur? Non. En fait, ce que je disais quand on a rencontré Yann Ryu tout à l'heure, c'était la bouffée d'air frais en fait pour lui tous les jours quand on était enfermé à l'hôpital, de pouvoir ouvrir la page internet et puis de découvrir les aventures du bateau Groupama. Et pour nous, c'était important. Et puis pour Arthur, il a vécu comme s'il y était. Pour ça que je le vois tout impressionné comme il est maintenant, alors que les infirmières, les médecins, tous sont au courant des exploits de Groupama, de ce qui a pu se passer. Hein. Mais là, je crois qu'il commence à fatiguer. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais. Hein. Tu t'en souviendras toujours ? Ouais. Oui. Le message qu'il nous envoie, c'est quand même un message super positif. Et c'est passionnant de savoir toute leur imaginaire qui fonctionne quand on est en mer et ils nous le font savoir par des paroles simples et nous on est super heureux de faire rêver des gamins qui sont pas forcément dans des bonnes situations et de les faire sortir par l'esprit en voyant des belles images, en leur envoyant des histoires. Ça fait forcément chaud au cœur de sentir qu'on fait ça aussi pour le bonheur de ces gens-là, de ces gamins qui ne peuvent pas tous les jours aller dehors et voir le ciel et la mer comme on peut le faire nous. Donc voilà, maintenant avec les moyens modernes, on peut partager nos émotions et ils recueillent toutes ces émotions avec une énorme passion. Donc c'est génial.